Les générateurs offerts sont d'une puissance de 2250 kV chacun, qui seront utilisés pour alimenter les différentes provinces du Gabon. Cette remise officielle s'est tenue ce 12 août 2024 au New Ovando International Port en compagnie du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Janou Kalima, accompagné des directeurs généraux de l'OPRAG et de la SEG, qui ont été accueillis par le directeur du groupe ERISE Gabon. Aujourd'hui, nous sommes sur ce site et nous voyons bien que ces groupes électrogènes de grande puissance, 2250 kVA, vont pouvoir couvrir les besoins des populations de l'intérieur du pays. Je pense à OIM, je pense à Makoku, je pense à Kulamutu, je pense à Chibanga. Toutes ces capitales provinciales seront dotées des nouveaux groupes. Et les anciens qui sont sur site vont être arrêtés, vont être entretenus, revisés, pour que nous puissions, dans un avenir très proche, avoir une énergie fluide et régulière dans ces localités. Ça fait partie d'un cadre, d'un programme lancé par l'État gabonais de renforcement des capacités au niveau énergétique, justement pour répondre aux besoins constatés au niveau des populations, au niveau local. Et le groupe ERISE est très content de pouvoir accompagner l'État gabonais dans sa politique de renforcement des capacités énergétiques. Cette nouvelle dotation des générateurs renforce l'engagement du groupe ERISE envers le Gabon et sa volonté de soutenir le développement énergétique du pays. Cette contribution permettra d'améliorer l'accès à l'électricité dans les différentes régions du Gabon, favorisant ainsi le développement socio-économique du pays.